Good morning, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui le longue chemin à moi, Mina Ben Chana, Peggy, Batester, Zara, Batmazak, Tovchis, Mortich, Simon, Batmel, Michel, Novikov, aussi une fois, Trout, Batklotin, Traina, et Simcha, Batmosidi, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvot, Perek, Dalet, Mishnah, Bet, Vechaevin, Al-Zdon, Ashboa, Val-Shigigata, Imzdon, Aedut, Venan, Chaevin, Al-Shigigata, Omaen, Chaevin, Al-Zdon, Ashboa, Korban, Olev, Yored. On continue. Une Mishnah simple en soi-même, on continue à parler de la Shvuat Ha'Edut. On avait déjà, depuis la Mishnah précédente, commencé à apprendre c'est quoi la Shvuat Ha'Edut. Quelqu'un qui connaît un témoignage qui va pouvoir m'aider à faire sortir de l'argent de Réhouven, mon voisin, et là, donc ce témoin potentiel, je lui demande de venir témoigner, et il commence à me raconter qu'il ne peut pas témoigner, qu'il ne sait pas de quoi je parle, il n'a rien vu. Alors là, j'ai un droit particulier de lui imposer, de jurer qu'il ne sait pas. D'accord ? Donc je vais lui demander, viens, jure pour moi. Je vais l'amener au Beit Din, c'est le cas classique de la Torah. Je vais l'amener au Beit Din et je vais lui dire, jure que tu ne sais pas de témoignage. Et il va devoir jurer qu'il ne sait pas, qu'il n'a aucun élément qui puisse m'aider. D'accord ? Soit qu'il prononce lui-même le serment, soit, comme on avait appris aussi, même s'il nie uniquement après que je l'ai assermenté, le fait que moi-même j'ai un droit sur lui et que je l'assermente, le fait qu'il nie après que je l'assermente, c'est considéré en soi-même comme une jvoua. D'accord ? C'est déduit des psukim. La Mishnah maintenant vient et nous enseigne quelque chose de très important. Vechayavin al-zdon ha-jvoua. Et il sera condamnable, il sera passible d'amener un korban, khatat, sur la jvoua ta'edout, al-zdon ha-jvoua. S'il a été conscient pleinement sur sa transgression de jurer à tort. Soit, au moment où il a nié, il était bien conscient que c'est très grave de jurer, il savait pertinemment qu'il connaissait le témoignage, et malgré tout, il a juré qu'il ne voulait pas témoigner. Et bien même s'il est méside, il devrait apporter un korban, c'est quelque chose de très particulier. De manière générale, on n'apporte pas un korban khatat, en tout cas, une expiation sur une faute qu'on transgresse consciemment. Toujours le khatat, c'est plutôt pour les fautes qu'on transgresse par erreur. Il avait une petite erreur par-ci. La chevaux de bitouille, par exemple, qu'on avait appris dans le périple précédent, c'est que celui qui est shogeg qui est passible de korban chevaux de bitouille. Que celui qui oublie que c'est interdit de jurer. Mais quelqu'un qui sait consciemment que c'est très grave de jurer et qui va se mettre à jurer à faux, lui, il n'aura pas le droit d'apporter un korban chevaux. Et bien, dans la chevaux de Ha'Edut, il y a une différence. D'accord ? C'est ce que la Mishnah enseigne, les Chayavin al-Zdon ha-Shvoua. Et l'on est passible, même si on est méside, même si on le fait avec consciemment et intention de fauter, ou bien encore, Val-Shigegata, Imzdon ha-Edut. Ou encore, s'il est Shogeg, en étant conscient sur le témoignage. Soit il est Shogeg sur l'interdit de jurer, mais il est méside sur le fait qu'il connaît le témoignage. Il vient, il me demande de témoigner, et puis moi, je sais pertinemment que je peux le témoigner pour lui et l'aider. Mais je préfère jurer que je connais pas de témoignage. Mais au moment où je jure, j'ai oublié que c'était si grave de jurer. Je pensais que c'était juste une mauvaise conduite, mais pas quelque chose de si grave que j'allais être passible d'un korban. Donc dans les deux cas, soit que je suis un méside plein, ouais, un consciemment pleinement, ou soit même à moitié conscient et à moitié par inadvertance et par erreur. Et ben dans les deux cas, je suis passible d'un korban. Par contre, ve'enan chayavin al shigigata. Par contre, on n'est pas chayav korban lorsqu'on est complètement shogeg. Soit, notion super importante qui va toucher à toutes les ilchot jvoua. De manière générale, quelqu'un me demande est-ce que j'ai rencontré David ce matin. Et moi, je réfléchis et je dis non, j'ai pas vu David. Jure, je te jure, j'ai pas vu David. Et après, 2 minutes après, je me dis ah. Mais bien sûr, après quand je suis parti prier ce matin de l'autre côté, et j'ai rencontré là-bas, et là-bas j'ai rencontré David, ça m'était sorti complètement de la tête. Est-ce que j'ai transgressé en cela un interdit de jurer à faux ? Réponse, non. Le chol asher yevate ha-adam bijvoua, il y a marqué dans la Torah, tout ce qu'un homme prononcera, mais la Torah insiste en disant ha-adam, un homme, dans le sens plein du terme, en jurant, soit en pleine conscience. Si jamais, lorsque je jure, je me trompe, ma tête, l'Agma elle raconte, si ça vous intéresse, l'Agma elle raconte, de deux talmidim de Rav. Rav il avait deux talmidim, et Rav il a donné une halakha, cette chose-là elle est permise, et l'autre il a retenu, un il a retenu que cette chose-là elle est permise, et l'autre il a retenu que cette chose-là elle est interdite.
Et les deux, ils ont commencé à se prendre la tête au Beit HaMidrash. Rav, il a dit permis, et l'autre a dit non, Rav, il a dit interdit. Ma pita, Rav, il a dit permis. Je te jure qu'il a dit permis. Et l'autre, il a dit non, moi je te jure qu'il a dit que c'est assour. Ouais, une fois ils ont bien transpiré, ils ont mis des points dans la tête, ils sont partis revoir Rav. On dit Rav, qu'est-ce que t'as dit? Rav, il a dit permis. Et l'autre, du coup, il est devenu pâle, il a dit ah, mais j'ai juré que t'avais dit assour. Et Rav, il a dit rien du tout, t'as transgressé aucun interdit. Aucun interdit. Si au moment où tu jures, ta bouche, elle est en connexion avec ta tête et ton cœur, pour dire la vérité que tu as dans ta tête et dans ton cœur, tu transgresses aucun interdit de je vois. D'accord? Ça, c'est écrit en ce moment, dans ce qu'on est en train de lire. Ve'enan chayavin al shigigata. Et il ne sera pas passible de korban s'il est en pleinement shogeg. Par inadvertance, par erreur. Il est dans l'erreur. Chose qui ne sera pas dans n'importe quel autre interdit de la Torah. Si par erreur j'ai transgressé Shabbat, j'ai oublié que c'est Shabbat, j'ai transgressé Shabbat. Si par erreur j'ai mangé du chélev, une graisse interdite, je serai passible d'un korban. Et bien spécialement pour la Shavua, étant donné que j'ai dit honnêtement ce que j'avais dans mon cœur et dans ma tête, alors, même si concrètement j'avoue, je me suis trompé sur la réalité, et qu'après je réalise que j'avais la vraie connaissance des choses même, et bien j'étais plus à Adam Bishvua, un homme plein, en moment où il jure. D'accord? C'est le principe de la joie. Ça, c'est écrit dans la Mishnah. Omen chayavin al zon ha-joie. Qu'est-ce qu'on en est passible comme korban lorsqu'on transgresse la joie, même consciemment, même pleinement, le cas particulier, korban olev yored, un korban, d'apporter un korban, le fameux korban chatat, olev yored, qu'on peut donner soit en haut, soit en bas, soit si on est riche, on apportera une kizmo au seira, si on est pauvre, tor ben yona, ou bien encore une mitre. D'accord? On a fini la Mishnah. On complète tout de suite le Bartanora, puis après, on attaque le complément de la Mishnah précédente. Il y avait une notion très importante que je préfère attendre d'apprendre d'abord cette halakha, puis ensuite revenir en arrière. Vechayavin korban olav yored. On est passible d'un korban olav yored. Alzdon hashvua. Si on est conscient, parfaitement conscient et responsable lorsque l'on jure. Share lone marba vene elam. Si on regarde dans la Torah, il n'y a pas marqué là-bas le mot vene elam. De manière générale, quand la Torah nous donne un korban chatat, elle nous dit « Venez imenu » et ça, il a oublié qu'il était impur quand il est rentré au Beit HaMikdash, il a oublié qu'il avait... Ouais. La Torah insiste en général en disant « Venez l'am » et il a oublié la chose. Mais cette fois-ci, la Torah ne l'a pas dit du tout. « Vel shigigata imzona edut » et aussi on est passible de korban. Si on est shogeg, ma condition d'être zadon sur le témoignage, c'est-à-dire « She yodim shishvoazo asura, avalen yodim shichayevin ala korban » Ouais, le Bartanora, il inclut encore quelque chose de... On va pas trop creuser, sinon ça va devenir un peu trop dur. Mais le Bartanora, il inclut le cas où, il précise, le cas où je sais que jurer, c'est une mauvaise conduite, c'est même assourd par la Torah, mais je sais pas que c'est tellement grave au point d'apporter un korban. Ça s'appelle aussi qu'on est passible du korban, ça s'appelle Shigigata, il me donne d'autres. Par contre, Ben Chayavin al Shigigata, on n'est pas passible du korban si on est complètement shogeg. Ouais, le partenaire il explique im shogegim hem legamri, s'ils sont complètement shogeg par inadvertance. Kasvurim she'en yodin lo edut, ils pensaient behemet qu'ils pouvaient pas témoigner pour lui. Ve'achar kach nizkiru, seulement après ils se sont souvenus qu'en réalité ils pouvaient témoigner pour lui. Ouais, d'accord. Qu'après coup, il m'a dit témoigne que Reuven il m'a payé l'argent. Je lui dis mais je sais pas de quoi tu parles. Il t'a payé l'argent? Il m'a dit mais si t'étais à côté. Je sais pas de quoi tu parles. Jure. Et j'ai juré. Et puis après coup, je me souviens de la scène. Ah oui, l'autre jour, on s'était... Ben, je ne serais plus passible d'un korban, je vois, t'as eu doute. D'accord? Kazurin Shani Odim Lo Edut, va Khakar Nizkiru. Share en Anusim, car ils sont complètement Anus. Velo Karinan Baou, Venishba Al-Sheker. Pardon, on rapporte un autre pasouk. Ça s'appelle pas qu'il a été Nishba Al-Sheker. Il a juré à faux. Juré à faux, c'est juré quand il est en déphasage avec son cœur. D'accord? Mais là, il n'est pas en déphasage. Voilà pour la fin de la Mishnah. Et maintenant, on va remettre le zoom sur une question générale qu'il y avait sur toute la première partie, toute la Mishnah précédente. La Mishnah précédente avait quelque chose de particulier, c'était que on avait appris que plein de personnes ne sont pas chayav de jurer. On va prendre le cas par exemple, témoigner pour mon frère. Mon frère me demande de venir témoigner, et je lui dis non, je ne peux pas témoigner, je ne sais pas de quoi tu parles. Il me dit jure, et je jure. Je te jure que je ne sais pas. Alors la Mishnah me disait que je suis pas tour du korban de Shvuat Ha'edut. Je ne devrais pas porter le korban de la Shvuat Ha'edut. Ça, c'est la Mishnah présente qui nous disait. Mes questions très pertinentes. Bon, d'accord, mais j'ai quand même juré à tort. Si je te dis, je jure que je connais plus la couleur de mes chaussures.
et qu'en réalité je connais la couleur de mes chaussures, eh bien j'ai transgressé ici le Shvuat, la Shvuat Bitouille. J'ai transgressé ici la Shvuat Bitouille, j'ai juré à faux. Il y a plus de Shvuat Haedout du Perek Dalet, mais il devrait quand même y avoir la Shvuat Haedout, la Shvuat Bitouille du Perek Gimel qu'on apprenait que dès que tu vas jurer à faux pour attester une chose qui est fausse, eh bien tu es passible d'un korban Olev et Yored, la même chose. Là, associer le même korban, Olev et Yored. L'un, c'est pour la Shvuat Bitouille, et l'autre, c'est pour la Shvuat Haedout, mais c'est le même principe. Alors qu'est-ce que tu prends la tête en disant ouais, mais tu sais, t'es plus chayav à cause de la Shvuat Haedout, mais finalement, t'as le même chiouf qui vient mikor Shvuat Bitouille. Alors qu'est-ce que ça change? Quel est l'intérêt de me dire que tu es pas chayav, et en réalité, t'es quand même chayav? Ouais? Si toutefois, t'es passible d'un korban Shvuat Bitouille. Question pertinente, mais réponse relativement simple qu'on a appris justement dans notre Mishnah. Puisqu'il y a des halakhot particulières qui concernent la Shvuat Haedout, il y a des halakhot, c'est-à-dire, je m'explique. C'est vrai, de manière générale, si je jure à mon frère que je ne connais pas le témoignage, alors que je le connais, je serai chayav d'un korban Shvuat Bitouille, parce que j'ai juré à tort. C'est vrai, mais à moitié. Parce que si on vient à cause de Shvuat Bitouille, alors il y a des conditions différentes dans Shvuat Bitouille. Si je suis parfaitement bémézid avec conscience de ce que je suis en train de mentir en ce moment, je n'aurai pas de chiouf de Shvuat Bitouille. Tandis que si je suis en Shvuat Haedout, le serment des témoignages particulièrement, ouais, que l'on est chayav, même si on est bémézid gamour, on est complètement bémézid avec pleine conscience, on est chayav korban. Donc là, moi qui suis son frère, je ne serai pas chayav de Shvuat Haedout, mais je ne serai pas non plus chayav de Shvuat Bitouille. Tandis que si c'est le voisin qui me demande de jurer, et que je vais mentir, alors je serai chayav à cause de Shvuat Haedout, même si je suis mézid complètement. Parce que pour la Shvuat Haedout, on est chayav de mézid. D'accord? C'est-à-dire en réalité, donc si je veux conclure, la réponse en fait, elle est simple. C'est que, de manière générale, c'est vrai que toute Shvuat Haedout peut aussi être une Shvuat Bitouille. Mais il y a quand même des cas particuliers où il y a un chiouv spécial pour les Shvuat Haedout qui n'est pas pour les Shvuat Bitouille. En l'occurrence, on en connaît déjà deux. Le fait qu'on est chayav, qu'on est bémézid, qu'on jure consciemment, on est pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire. Ouais, qu'on n'est pas chayav dans Shvuat Bitouille, sur le simple fait de jurer à faux, mais on sera quand même chayav mishum Shvuat Haedout, sur le fait de nier un témoignage. Et il y a aussi ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, le fait de ne pas prononcer soi-même la Shvua. Que quelqu'un me dise, je t'assermente au nom d'Hachem, que tu viennes et que tu témoignes pour moi. Et je lui dis, enani yodeh alecha edut. Mon frère me dit ça au Bet Din, et je lui dis, enani yodeh alecha edut. J'ai pas prononcé la Shvua par ma bouche. Alors, puisque je suis quelqu'un qui est inapte à témoigner, donc je ne suis pas concerné par l'interdit de Shvuat Haedout, j'aurais transgressé aucune Shvua. Ouais, alors que si j'étais un témoin apte à témoigner, par rapport, si j'avais affaire à mon voisin par exemple, alors j'aurais été passible de Shvuat Haedout, c'est clair. On a fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.